Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. La conférence matin, c'est une conférence pour nous faire un constat sur situation lamentable de criminalité que le pays a trouvé aujourd'hui. Avec l'appui yon parti dans le secteur politique là, yon parti dans la presse là, yon parti dans la société civile là, yon tout met ensemble, yon d'accord pour yon disparaître Haïti. Jodi a nous pas d'autorité qui est capable de dire un mot pour moun sa. Le président Jovenel était là, tout le monde te dit, c'est Jovenel Moïse qui marchait mettre gang pour te faire pouvoir. Mais ceux qui ont mobilisé la presse, l'église, société civile, oligarchie, ils ont tué Jovenel Moïse. Je te dis, automatiquement Jovenel Moïse pas là, eh bien, ils ont même ils ont fait, ils ont dirigé, ils ont dirigé eux-mêmes. 6 mois après l'assassinat de Jovenel Moïse, la situation vient beaucoup plus compliquée, vient beaucoup plus grave. Le pays n'a pas de moyens pour payer la police. Yo goumé, yo met couteau en bas groupe, en bas gorge citoyen, yo paye taxes pour payer la police. La police dépassée par les événements. Yo banon l'armée, malgré volonté que nous connaissons qu'à manifester en dedans, monsieur militaire, qui veut mobiliser, patron, empêcher que l'armée ça fait des interventions pour rétablir l'autorité de l'État, pour rétablir l'ordre dans le pays. Je dis à Soukouri ou pas qu'à passer Matissan. Il y a 5 départements que l'État d'accord depuis arrivé Matissan. Pour Banti Matissan, gen droit de vie, de mort sur eux. Ils ont tué eux, ils ont tué moun yo. Famille yo pas même qu'après cadavre. Si vous sorti Gomon, vous sorti nord-ouest, port de paix, l'arrivée Gomon, Banti Gomon, gen droit de vie et de mort sur vous, ou pas aucun recours. Si vous sorti au Cap, ou rivé et Canaan 70, Bandi sa ou gen droit de mort sou. Soit sorti dans l'est, ou ta doit se trot en sa pipe pour rentrer par au prince son parisien. 400 maozo gen droit de mort de mort et de vie sou. Si ou apoute la boule, si makak à travers toute équipe li, ave dit nous prenons un enveloppement. Mais ça nous rend compte. Monsieur, dame, gouvernement, il n'y a pas de problème. Puis on mobilise toutes les ressources qu'on a pour faire Mativi dans Gonaïve. On prend le cas de M. Ariel Henry, qui mobilisait près de 500 policiers et militaires, près de 1 millier de police, pour aller faire ouais qu'il va parler dans sous place Gonaïve. Alors que c'est comme si tout le monde sait qui est victime, qui est convenu dans la consultation, dans une dialyse. Les gens qui portent des marchandises, qui viennent vendre Port-au-Prince, qui poussent des tigouaves, Grand Poivre, Léogane, Jacques Mel, Jérémy, les gens qui ne sont pas de droit. Nous disons que les gens qui ne sont pas de droit viennent Port-au-Prince. Eh bien, ça nous vient de comprendre. CSPN, qui est en tête, le Premier ministre de facto Ariel Henry, n'a pas d'autorité pour lui devant la police nationale. Le pourquoi? Les toutes informations, tout indice palpable, ça ou pertinent, ça ou montré implication monsieur Ariel dans l'assassinat de Jovenel Moïse, il vient perdre l'autorité moralement. Li là oui, li chef, mais son équipe ou refuge dans l'État pour ne pas juger. Les policiers qui avec Ariel ont constaté, Badjo a rentré sorti, Kay Ariel, alors que il y a avis de recherche de CPJ derrière. Eh bien, policier avec Ariel, pour dire Ariel n'a pas rien, son criminel, il seul m'a regardé. Mais pas aucune autorité.
Yo même tout yo dit yo pa pral nan kouri des bandits parce que c'est bandi au chef qui gen patron. Yo vinn pa gen légitimité pour yo al désarmer monsieur ça yo fin armé que yo fin marginalisé. Là on comprend diverses interventions président Jovenel te fait pendant le vivant. Chaque action Jovenel entreprend, société civile, classe politique, la pression tout dit Jovenel Moïse voye faire massacre dans quartier populaire. Dans massacre c'est Grand Ravine, Jovenel t'a goumé pour pas dire Grand Ravine avec Matisse en village de Dieu qui pral permettre nous vinn gagner barbecue jodi a que Ariel Henry récupéré. Maintenant nous arrivons dans Carrefour. Dans Carrefour nous y a Carrefour tellement pas de mots, pas de qualification. On ne dit pas déplacer de telle zone à telle zone, c'est l'île qui parle. Ou bien, la crainte de Dieu, par la grâce de Dieu, bon Dieu, qui a couvert nous. Mais est-ce que nous avons croisé les bras nous pour ne pas assister à la situation, ça veut dire la somalisation du pays? Non, nous ne sommes pas capables. Monsieur Sayo, intérêt, il n'y a pas d'intérêt des armées bandits pour le calme, pour la paix tourner dans le pays. Pour qui ça? Si vous avez des armées bandits, condition pour aller réunir pour élection faite, ça veut dire pas permettre pouvoir. Mais autant que pays a comme ça, pas d'intérêt. Il y a intérêt pour yo, mais nous-mêmes, diaspora, tout le monde qui voulait faire business, cap victime yo, c'est nous qui continuer victime. C'est peut-être ça matin, hein, nous-mêmes nous venons avec l'idée, proposition, pour nous solliciter à tout pays, à femme qui n'a pas d'attachement à gang. Garçon qui n'a pas d'attachement à gang. Gouvernement qui n'a pas jamais rétabli l'ordre, il n'est pas capable. Nous demandons maintenant pour gagner une prise de conscience qui prend pour gagner un gouvernement militaire qui prend charge pays pour 2 ans. Gouvernement militaire, ça, ministre dans le gouvernement, président, c'est un militaire de haut grade. Et je parle au sac dans le quartier général. Je parle des militaires anciens qui ont des capacités. Les pays qui ont des problèmes, qui ont intervenu, qui ont des capacités pour gérer le pays pendant 2 ans. Côté du ministre de la Défense militaire, il y a un ministre intérieur qui est militaire. Parce que 3 quarts zones dans le pouvoir, zone qui alimente les bandits, c'est le ministre intérieur. C'est eux qui ont de très bons rapports avec Bandio. Mais automatiquement, son militaire vient prendre tête ministre intérieur, eh bien, il est capable de faire sa relais, de réhabiliter l'État, parce que je dis à nous avons l'État qui désidérate. Tout médecin, tout infirmière, que nous avons l'État qui désidérate. Or, c'est le moyen pour nous joindre la vie, pour nous revitaliser, pour nous redynamiser l'État. Ça, faut que c'est le monde qui ait autorité. Mais qui pas connait bay bandizam qui pas aucun attachement relation ni qui n'est pas gain dette envers bandi et bien automatiquement l'installer gouvernement ça installé au moins a un minimum de crétif pour permettre l'ordre et sécurité rétabli premier ministre capable un premier ministre civil mais nous ta remet en attendant yo passer maintenant constitution en tant que Jean Pierre moun proposé pour que la police nationale là t'a sorti sous l'obédience ministère de la justice pour voir police là sous l'obédience ministre de l'intérieur parce que c'est pour mon pays pour que des opérations là mener il connaît c'est des opérations d'état parce que là la situation là si pas de un gouvernement qui connaît qui vient là qui pour dire au grand mot au grand remède eh bien nous pas sorti en pile monde t'attend après kidnapping 12 17 américains yo t'attend papa bon dieu américain pour te faire intervention américain pas gain intérêt dans stabilité en Haïti jodi a ou gain le corps groupe qui là qui pas gain intérêt dans stabilité pays a et ces réseaux ça fait tout yo participer dans assassiner Jovenel Moïse pour nous sortir là c'est un gouvernement côté pays a d'accord nous tous d'accord n'entrer dans mobilisation son gouvernement militaire et automatiquement gouvernement militaire ça, président militaire ça, prend le pays, et bien, policier cap dans l'opération, militaire cap dans l'opération, il y a connaît, il pas une épée d'Amoclès qui sous tête, il y a moyen au bandit. Aujourd'hui, nous avons besoin qui pour rabouer bandit. Nous avons besoin de qui pour restaurer l'autorité de l'État. Nous avons besoin de bras de fer qui pour dire non, pays a trop loin, parce que, messieurs, dames, pays a faut vivre.
diaspora yo pou paquet moun ki ta remen vin investi nan peyi yo. Tout ti business krasé. An moute belè la, gade belè sa ka pase belè. Gade Delma de sa ka pa. Gade Matisan ki tou nou désert. Nou nan gè san pa konn ki peyi nou an gè. Or, nou pa ka paye l'état. L'argent, n'a paye l'armée, n'a paye la police et puis sous besoin Matisan pa kale. Sous besoin quoi de bouquet pa kale quoi de bouquet. Sous besoin la prenne nou pa kale la prenne, nou besoin. Non, nous pensons, c'est raison ça qui fait. Après consultation fin gè avec un ensemble de monde, yo autorisé pour nous faire conférence matin hein, pour que bon campagne qui déclenche pour un gouvernement militaire de transition pendant 2 ans pour restaurer l'autorité de l'État et puis pour organiser l'élection pour remettre à un gouvernement civil pays hein. Parce que dans condition hier quel que soit président civil nous mettez là le peuple qui a dirigé pays hein, avec pongongon cigarette deux têtes ça qui en dedans pays hein. Merci et qui la cause tout cap double et triplé, ça vient augmenter la masque fait population. Donc je vous dis, pour sortir dans la masque fait ça, faut nous mobiliser. Et sans ça, 7 février, c'est dans moins de mois. Donc faut nous mobiliser pour que avant 7 février, pour l'équipe gouvernementale qui monte, pour permettre tout faire face à la question de la vie chère, question kidnapping, question de sécurité, et question pays, côté même pour marcher ou aller la donne. Donc avec l'équipe qui l'a, qui établit, kidnapping et sécurité a comme moyen pour être sous pouvoir, pas de chance. Donc c'est de ça, n'a demandé équipe Montana avec tout l'autre acteur qui est engagé là dans des négociations, que vous jouez des résultats rapides pour mettre que nous gagnons une nouvelle équipe gouvernementale 10 avant le 7 février pour que le pays prenne l'autre route. Et n'a profité de dire que c'est tout au nom de la morale publique. L'homme n'a pas de direction, premier ministre, président, ministre, etc., le secrétaire d'État, etc., il y a un minimum éthique pour gagner, un minimum de respect des normes élémentaires de la moralité publique qui doit observer. Je dis nous avons un premier ministre tweeté, il y a sous dol, quoi accusation sur la question assassinat Jovenel Moïse. Pourquoi plus de partisans Jovenel Moïse? Parce que un crime qui fait, il faut gagner une situation sous lui. Si le premier ministre, il y a une accusation qu'il t'a mêlé dans le crime si là, et fait normalement, il n'est pas supposé écouter là. C'est peut-être ça que je dis, hein, parce que nous-mêmes, qui sommes un peuple qui a goumé, nous sommes goumé pour que la morale publique respecte. Dans ce sens, ils nous pensaient que M. Ariel doit quitter le poste même avant 7 février, rapidement, pour aller répondre qui sont la justice. Parce que pour qui ça, par exemple, en France, il y a un type qui était candidat à la présidence. Quand un chef seulement sorti un dossier contre M. Bédé de la corruption, il était obligé de faire retrait, candidat-il. Il a seulement annoncé que M. Mêlé, dans le dossier corruption, il fait retrait, candidat-il, comme président. Comment on peut avoir un premier ministre tweeté qui a tout gros sous-tête, tout autant d'accusations, et puis pour comprendre qu'il y a un clan dans le monde. Parce que, droit de compromisation, au nom de la morale publique, pour exiger départ rapide Ariel Henry et pour la répondre à ce que c'est la justice. Si il blanchit, la tourner, mais pour l'instant, il serait indécent que Ariel Henry, la fille du monde, comme premier ministre, après que tout escadal ça sous dol. Il n'est pas possible. Et faut maintenant nous instaurer, nouveau type de gouvernance politique. Avec des mondes qui ont au minimum de moralité. Ça, il n'est pas négociable. Il faut que ça fasse rapidement. Deuxième point que nous gagnons, c'est question tournée. Bon, là, nous gagnons des images de tournée qui était réalisée du 28 au 30 décembre. Sur tournée de solidarité qui nous a réalisé avec en direction. Enseignants victimes dans le Grand Sud. Tout ça a été fait depuis le mois de septembre dernier. Mais nous connaissons Jean-Baptiste Sanye, qui n'a pas gagné de déporter. C'est juste en décembre, nous arrivons à faire transport des articles que nous devons dévoiler pour le professeur. À cause de passage qui n'est pas facile dans Baptiste. Mais nous avons dit que nous sommes bien arrivés. C'était une très très bonne tournée. Côté, nous avons dit que enseignants, même élèves qui étaient participés dans le débat, t'es accueilli avec un peu d'enthousiasme que ce que ça a l'idée tourner et gagner des débats qui étaient organisés
autour de thème ça sous question qui l'école qui type d'éducation soit directe bail pour gagner on l'autre l'école on l'autre société qui comment l'école là doit on l'école qui éducation citoyenneté qui faut qui pas des zombies mais qui faut des monde et des citoyens responsables qui ont responsabilité yo qui ont droit yo des citoyens qui ont qui ça et doit gagner comme engagement dans ce cas dans pays là pour que nous construisons la société haïtienne jam qui capable de faire face à des défis que nous aujourd'hui hein. Nous avons dit que surtout qui était réussi la mesure où débat était fait yo c'était un débat extraordinaire et comme nous gagnons d'adis des images des vidéos qui sont sur les réseaux yo ça montrait à quel point tu as une participation et en dedans débat yo et montrer comment professeur était à la tête de on tel tourné. Nous avons dit que professeur était profité de l'occasion hein, pour d'adis passer ça aurait comme frustration. Je n'ai plus ça lui comme frustration, c'est que ils frappé par cyclone, par tremblement de terre et ils va joindre accompagnement nécessaire que l'état de le bayo. Jusqu'à présent, il y a un enseignant qui caillou crasé qui l'accompagnement. Il y a un enseignant qui va gagner même document travail va gagner qui fait yo gagner pile promesse mais il va fait. Donc ça frustré en pile. Ensuite tout dans pile l'école qui crasé même tant même en gars ou pas à construire. Donc ce bail terrible. Et là, on est sur toute place, on constate que l'État, bah, belle parole, ONG, belle parole, mais souterrain, parce que c'est pas qui fait. Et professeur, ça frustre le professeur, et les parents, le fait que, ils ont frappé, ils ont un accompagnement nécessaire. Ils ont profité de tout dans le débat, pour faire passer ça au gagné comme préoccupation. Ils ont préoccupé par l'État qui veut l'éducation, valait que le gagné. Éducation, t'as de priorité l'État, mais nous voyons que les pas priorité l'État, je pense qu'on traite elle. Ils ont préoccupé tout par mauvaise condition de travail, yo, de l'école, yo, mauvaise condition de la vie qui a fait face à elle. Ils ont préoccupé tout par l'école qui va adapter et qui va éduquer la citoyenneté pour construire les citoyens que le pays a besoin pour sortir de l'île là. Il y a une école qui va même au minimum sous son comme risque, qui va informer. Sous ensemble de risques auxquels vous exposez et pour qu'on ne vous gagne, etc. Donc, vous ne vous occupez pas de ça et vous occupez tout par le fait que l'école là, n'est pas arrivé à répondre à tout pays et vous engagez autour pour que vous bataille pour que l'école, qui l'école tout bon, qui fait citoyen et qui va permettre que le pays soit côté de là. Et qui ça va attendre? Qui attend vous exprimé? Vous exprimez que un, syndicat enseignant yo engagé encore plus dans gouvernement yo attendent que nous gagnons équipe gouvernementale nouvelle qui a en mesure pour porter bonne satisfaction à sa comme revendication fondamentale. Yo attendent tout que pays mobilisé pour sortir côté là parce que question de sécurité a c'est une préoccupation tout parce que a plus qui dans grand sud qui pas rentrer dans Port-au-Prince. Les malades extérieurs disent que ils ont camouflé parce que ils ne peuvent pas entrer dans le soin, parce que la presse, parce que c'est là qu'ils ont des centres hospitaliers plus ou moins. Donc ça veut dire que ils attendent que gagne une équipe gouvernementale qui monte et qui apporte réponse à ça que nous et comme et situation terrible qui va attendre encore. Donc en gros et ensuite tout cette occasion pour te distribuer des dons qui nous déposent de un livre dans l'autre article. Qui était bien accueilli et qui servit certainement parce que c'est une situation très difficile. Il y a des préoccupés de tout par le fait que les catastrophes, il y a trois phases. Il y a une phase urgence, côté il y a une aide rapide, il y a une phase réhabilitation, côté ça crasé, ça qui a été réparé, il y a une réhabilité, il y a une phase reconstruction. C'est à présent, même dans la première phase urgence, l'État a montré que l'I a dit un peu sous responsabilité. Toute l'école réhabilitation, l'école qui n'est pas réhabilitée par réhabilité, ça va être terrible. Donc ça veut dire que vous engagez pour yo bataille pour faire que nous gagnions désormais dans le pays, on équipe gouvernementale qui a apporté réponse. Donc, en gros, ils sont tournés, ils sont des sérums. Et pour nous-mêmes, et pour tout enseignant, élèves, parents qui nous ont rencontrés et qui étaient vraiment contents qu'ils sont ça. On a fini pour dire que nous avons honneur présenté par le public là. Nouvelle coordination
communal Port-au-Prince là qui est là-dedans camarade Peggy Noël qui là qui c'est coordinateur et coordination communal et Port-au-Prince là nous gagnons et nous profiter saluer mémoire tout le monde qui tombé dans la bataille pour liberté et bien-être là et chers camarades nous et professeur et José Mery l'a dit nous gagnons coordination communale Port-au-Prince gagnons un calendrier activité que nous gagnons pour nous réaliser pendant l'année il y a 4 grands points nous gagnons activité prise régulière sous problème d'éducation dans le pays et nous gagnons deuxième point qui c'est activité conférence débat parmi eux nous gagnons première activité débat n'a pas pour nous faire mercredi 2 février dans la cour l'école normale supérieure nous gagnons tout formation syndicale en séance et pour 29 janvier qui vient là troisième point nous gagnons préparation 31e anniversaire INO qui fixé pour 16 mars qui vient là côté nous gagnons gros roumblé un ensemble d'activités pour nous gagner pour nous faire pour nous marquer et 31e anniversaire et INO. Et puis nous avons un quatrième point qui c'est préparation prochain congrès INO qui a gagné pour faire dans fin l'année. Et nous dit merci. Nous dit bataille, c'est pour peuple qui a bataille qui gagne victoire. Peuple qui organise, peuple qui conscientise, peuple qui mobilise pour victoire finale là pour Chalvi Rechaudière pour libération massive. Voilà. Merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.